Non si può dire nulla. Se tu la dà proprio, eh? Hey, il mettait les gars ici hier au soir, mes enfants, pacté. J'avais jamais vu un gars pacté de même, à part de moi quand j'apprenais. Là, je commence à jaser avec, mais je dis, qu'est-ce que tu fais sous comme ça? Hey, tu vois, si je joue genre. Je dis, écoute, tu tiens pas même assis sur le banc. Et je vais vous dire une chose, monsieur le bartender, moi, dans la vie, je prends un coup, mais je me suis limité à 3 verres par jour. J'ai dit, gâche, 3 verres par jour, t'es sous le même. Quoi que là, c'est à peu près 1 mois et demi d'avance. Oh, Claude! Allô, Pierre! Comment ça va? Oh, hey, faut que je t'en compte une petite bite. Quoi? Il y a deux homosexuels, à un moment donné, comprends-tu? Par la main, c'est trop... Regarde-moi pas avec ces yeux-là! Voyons! Pierre, t'es mieux de t'habituer. Ah bon, OK. Fait qu'il tient son petit copain par la main, on sait qu'ils sont tous les deux là, sur le trottoir. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit, on travestit? Quand même, c'est les mains préférées des gays. Un hamburger. Oh. Avec la liche. Hey, je t'ai pas emmené mon invité tout de suite. Ben oui, je comprends pas ça. Je te réserve une belle surprise. Une surprise? Je sais comment tu aimes la lutte. Ah, je suis un fou de la lutte, mon gars. Je sais. Alors, tu connais le géant Ferré? Pas le géant Ferré! Ben justement. Ben maudit, ça, je vais me l'aider. Bon, je l'ai invité. Ça prend de la place d'un bar, mais. Oui, monsieur. Je l'ai invité, malheureusement, il était pas libre, il nous envoyait son frère. Ah, okay? C'est son frère? Oui, c'est son frère. Little Beaver! Oh! Hé, tu vois, laisse-moi essayer de. Hein? Quel âge que t'as, là? Ma main, elle veut 3 fois 7. Hé! T'as pas d'affaire dans les bars. Attention, la clientèle. Ouais, clientèle. On frappe pas. Voyons donc, depuis quand? Tu veux une bière? Écoute-moi, Claude, tu frappes jamais un invité de main. Faut pas que je fasse ça, voyons. Ça, c'est une nouvelle coupe, ça. Hein? Les cheveux dans le milieu de la peau à chaque bord. C'est ça. Hey, c'est une belle coupe, ça. Ah, c'est un beau, regarde. Hey, une fermeture éclair, le milieu? Oui, oui. Ah bon? C'est pris au fer, ça? Qu'est-ce que tu une bonne bière? Une bonne bière, c'est juste ça qu'on a aujourd'hui. Ah, oui. T'as toujours les mêmes bières. Oui, oui. La fin de semaine. Mais qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu fais de bon? J'ai fait de la lutte, je suis dans les fleurs. Je suis à côté du pot à fleurs. Oui, je ne vois pas que j'étais commercial à Beaujolais. Si t'étais à Adlib, là, tu aurais un bloc sur la tête. Même j'ai su à Beaujolais que tu vendais des patentes pour les lutteurs. Des macarons, là. Arrête-donc! Non, pas de sel. Comment? Le cholestérol. Ah, c'est pas bon. Ça marche beaucoup? Ah, ça marche. Ça marche vraiment? À part ça, c'est... On m'a demandé... Oui, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Moi, j'en revenais pas, oui. Arrête-donc. Des macarons de Claude Blanchard. Oui? En costume d'adept. Pas vrai! Claude Blanchard en costume d'Adam? Oui. Ben remarque, d'en avant, ça serait pas pire, mais c'est quand il retourne le macaron. Puis toi, j'en ai des bonnes à vous compter, là. Allez donc, tu prends ça, des histoires de même? La page 146 et la page 147, là. Il y en a des bonnes, ouais. Oh, des maudits. Compte les points, je l'ai. Les gens ici ne le savent pas. Ah, bon. Tout, je sais, vous savez tout. Savez-vous pourquoi les Noufis, je ne sais plus lire, entretiennent les morts, les fesses à l'air? Les morts, les fesses à l'air? Quoi qu'ils enterrent, les fesses à l'air? Les fesses à l'air. Pour en faire des racks à bicycle. Oh, oui. Mon Dieu! Ah, tu le savais? Oh. Ben oui, elle est vieille, moi, dit. Moi, il était venu. Voyons donc. Il était venu une chose extraordinaire, mes enfants. L'autre jour, il y a un gars qui était assis, ça te faisait pitié, franchement, là. Tu sais, le gars ici, il avait quasiment l'air d'un mort. Arrête donc. Fait qu'il y a un de mes clients réguliers qui avait visité au bar, monsieur, puis au père de Charles-Jean, posait des questions, mais le gars, on a dit faible, il répondait pas du tout. Là. Fait qu'à un moment donné, il dit, coudonc, il dit, non, ton client, tu manges? Non, je dis ça, que tu veux. C'est un gars qui arrive de voyage, il arrive du Mexique, puis il est bien malade, c'est un site. Ouais, il a été piqué par une guêpe mexicaine, une guêpe très dangereuse. Il appelle ça un pécalos. Un pic à l'os! Ouais! Ça paraît que c'est une bébite, ça me. T'as rien avec la titi, là. Hein? Non, il appelle ça le pic à l'os. Le pic à l'os. Ça a l'air quand il pique, il pique à l'os. Ah! Fait qu'il dit, il a l'air souffrant. Non! Il dérange les poris, il souffre pas du tout. Excepté cette bébite-là, le pic à l'os. Quand ça pique,
ça, tu deviens paresseux sans cœur. Tu grouilles plus pantoute. Ah! Puis le pire là-bas de ça, que ce bébite-là, en plus de devenir sans cœur, comprends-tu, là? Le... oui? Le sexe te rallonge. Hein? Ouais, le zizi. Pas vrai. Ça, il n'y a rien de pire que ça. J'aurais besoin de ça. Mais dis... J'aurais besoin de ça. Et voilà, hein? Un pécalos. Mais il dit, pécalos de même, mais il chauffe pas pantoute. Des Mexicains, c'est dit. Oui, ouais, ça, c'est une bébite mexicaine. Ouais, je m'en vais au Mexique, en fait. Il appelle ça le... Oui, oui. Le pécalos. Ah, comme tu sais, ça rend le gars sans cœur. Moi, mais... Paresseux. Mais... Ça fait rallonger le créateur. Mais il dit, pourtant, il a l'air à souffrir. Je dis, non, il chauffe pas du tout. Non. Mais il dit, pourquoi il grouille pas? Mais je dis, non, c'est parce que là, la patte du banc, elle se sont dit, mais trop sans cœur pour celle-là. Que celle-là, vous le savez, là, d'en faire 146. Ah, essayez-la, on va te le dire, ça. Ouais, essayez-la, on va te le dire. Ah, vous êtes décevants, des fois, par bout de vous autres. Dernièrement, on a croisé un pigeon et un pic-bois. Ouais. Résultat... Un pigeon voyageur qui frappe à la porte avant de livrer le message. Oh, ouais. Ah, bon, en direct, bonjour. J'en ai des bonnes deux. Oui, monsieur le curé. Oui, monsieur le curé. Oui, oui, paroisse Saint-Sulpice. On a plusieurs curés qui appellent d'abord. Paroisse Saint-Sulpice, oui, je sais. Oui. Claude Évent. Quoi? Il veut peut-être un maringouin mexicain. J'ai battu ma part. Non, écoute, un moment, monsieur le curé. T'as une soeur? Oui, moi, je vais t'enterrer il y a 2 mois. Ben, justement, c'est comme dit, moi, enterré il y a 2 mois. Oui, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'il veut? Ah bon? Il vous a pas... un moment, monsieur le curé, oui. Ben, il est à côté de moi, je ne pourrais pas. Tu dois 5 200 $? Il paraît que tu as fait un enterrement première classe, 5 étoiles à ta soeur. Oui, monsieur curé. Comment, vous avez pas reçu l'argent? Ben non. Ben oui, mais étant donné que ma soeur était religieuse, je m'avais dit qu'elle était mariée avec le bon Dieu. Je pourrais payer par mon beau-frère. Hein? Ben voyons! Bonjour, mon frère!